Est-ce que vous savez ce que c'est les gens que ce truc? Parce que c'est quand même gros quoi. Il fait on dirait ses extensions. Alors, j'ose pas m'approcher de trop près, hein. Je vais essayer de zoomer. À mon avis, là, il garde quand même bien le paquet de mouchoirs. Là, il y a des. Il fait quoi avec ses pattes arrière? Et je vous jure, il est gros le truc. Hein. C'est bon, sa boîte du Lotus Compact, franchement, il est gros quoi. Et on dirait, regardez, on dirait qu'il fait ses extensions, machin. Oh, c'est immonde. Vous avez vu les pattes arrière? Il est en train de se taper un paquet de mouchoirs. C'est ouf. Hein. Donc, apparemment. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Donc il y a des pleureuses, hein, voilà, qu'on a vu, qui avaient envie d'avoir un paquet de mouchoirs, hein, puis de chouiner hein, sur les plateaux télé. Mais là, ouais, il y a un obstacle. Il y a un gros obstacle. Ah, ah putain. Bonne petite bête. Voilà, il est énorme. Message aux chouineuses. Bah venez, venez le chercher. J'essaye vraiment de voir ce qu'il fait. Peut-être une reine ou. Déconnez pas. En tout cas, le truc, il a bien aimé mes vannes, hein, parce que je pense quand même que je me serais fait attaquer. Il m'aurait sauté dessus, il m'aurait bouffé. C'est doux. Hein. Il y a même le chat qui passe à côté, il en a rien à branler. Le chat, il s'attaque aux souris. Le machin de guépard, là, je sais pas quoi. Et il s'attaque aux. Ah, ça c'est un anti-moumoute, hein, ça je vous dis. Hein. C'est un anti-moumoute. Et regardez la taille du truc, quoi. Il y en a un, mais à côté, je sais pas quoi. Une sorte de mouche. Elle est énorme. Putain, j'ai eu peur, il y avait du bruit derrière. J'ai cru que le truc il débarquait, quoi. Bon, bah ouais, bah écoutez, bah je vais pas rester une demi-heure là-dessus. Hein. Je vais quand même m'écarter. Hein. Néanmoins. Ah, néanmoins, c'est intéressant. Hein. Ah ouais, c'est la nature. Hein. Donc, faut laisser voilà, la nature reprendre ses droits. Hein. Et puis, donc on va confisquer hein, les paquets de mouchoirs à toute la. Tous les. Tout le. Bah, qui? Devinez qui? De qui je parle? Je ne peux vous en dire plus. Hein. Donc, d'ailleurs, comment s'appelle cet animal? Quel est son nom? Hein? Qui es-tu? Qui es-tu? Ah, faut sympathiser avec la nature. Hein. Je vous dis, là, ça va être notre dernier recours. Hein. Ils vont nous protéger. Hein. Là, tu gardes comme ça un paquet de mouchoirs. Là, t'évites 40 ans de pleureuse. Hein. Ça, c'est. Oh, là, les prêts au télé, les murs sont blindés. Hein. Ça dégouline hein, par terre et tout. Là, moi, je peux pas vous dire qui, mais il y en a qui ont écrit des prêts. Hein. Quand j'y allais en déguisement, j'avais écrit aussi. Hein. Vas-y, ma petite bête. Prends soin du paquet de mouchoirs. Putain, j'ai même envie de mettre un billet de 20 euros. Attends. Tu sais quoi? Attends, vas-y. Tiens. Tiens. Tous les fils de pute, tiens. Ouais.
Elle est où la montre? La montre haut de gamme. Putain, c'est con, je n'ai pas sur moi la montre haut de gamme. Vas-y, attends. Quatre paquets de mouchoirs. Bon, je vais quand même vous raconter un truc, c'est que je devais partir faire des courses. Je vais essayer quand même d'attraper ça avec un. Je sais pas comment ça peut réagir ce truc. Du coup, maintenant, je vais prendre une sorte de bâton. Hein. Bâton à qui, je sais pas à qui je vais l'emprunter. Hein. Mais voilà, donc c'est la bête à qui, quoi. C'est à qui cette bête? Ah. Ah. Bon bah voilà. Bah écoutez, je vais arrêter cette vidéo hein, et puis je vais faire des courses. C'est bien, brave bête. Va. Oh oui, t'es jolie. Oh oui, t'es une bonne bête. Et bah c'est endormie, elle aime bien ma voix. Hein. Donc voilà. Bonne nuit, petite bête. Allez, prends soin de ton paquet de mouchoirs.